Donc, vous savez très bien que ça fait 3 mois que le colis a été récupéré et emballé. Il faudrait qu'on sache une chose. Vous savez, je vous ai déjà dit, il y a un problème dans ce souci, dans ce pays-là. Il y a un souci. Les gens n'ont pas la suite dans les idées. Quelquefois, les gens ne savent même pas quoi faire. C'est ce qui cause problème. Nous avons assisté, par exemple, à un phénomène. Je vais revenir un peu en arrière. Nous avons vu ici, moi je n'avais soutenu aucun parti politique parce que ces partis politiques n'ont pas une base spirituelle que je recherchais. C'est aussi simple que ça. Ces partis politiques, ces politiciens, tant qu'ils sont, croient plus à la démocratie que le peuple leur donne, que le pouvoir que Allah leur donne. Moi, ça, c'est un truc que je n'adhère pas. Mais il y a eu des campagnes des deux côtés, chacun a fait son truc. Après, il y a eu un désaccord. Il y a eu deux gagnants. Il paraît, il y a eu deux gagnants. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il a gagné, l'autre a dit qu'il a gagné. Moi, je pense que c'est Alassane Diallo qui a gagné. Je pense. Même s'il n'avait pas gagné, c'est lui qui a gagné parce que l'autre n'avait même pas sa place d'être là. Et sur les 3 élections, je pense, je suis sûre et certaine qu'il a volé au moins, on lui a volé au moins une élection. Qu'est-ce que moi j'ai fait? À ce moment-là, j'ai mis un truc en place parce qu'il ne voulait pas entendre cela. Parler de cette victoire, c'est-à-dire là où ça s'était mis là, c'était le mont Everest qui était posé dessus. Mais dans l'avenir, vous allez comprendre. Donc, je vous ai dit ici, il faut qu'on parle de ça régulièrement. On n'a pas besoin de manifester, on n'a pas besoin de sortir. Mais les gens ne m'ont pas bien compris. Et je pense que M. CDD, la majeure partie de ces militants ne sont pas dans son état d'esprit, ne le comprennent pas très bien. C'est ça que j'ai remarqué, ce n'est pas mon parti politique. Mais cet intervalle que j'ai passé dans le visible et l'invisible avec eux, j'ai constaté beaucoup de choses, mais ça, ce n'est pas mon problème. Enfin, bref. Donc, pourquoi je vous rappelle cela? Quand tu mènes un combat, quoi que ce soit, quel que soit le combat, il faut une suite dans les idées. Nous nous sommes battus, la majorité voulait que ce monsieur la batte. C'est ça la majorité voulait. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ce qui s'est passé. Maintenant, il y a des gens qui se désolidarisent aujourd'hui, à gauche, à droite, nous l'avons constaté. Ça, c'est normal. Tout à fait, parce qu'il y avait des gens qui avaient certainement leur agenda caché. C'est comme ça que ça se passe. Voilà, chacun a son programme, chacun a son projet. Moi, je vous ai dit, moi, j'aimerais bien que toutes les femmes s'habillent comme ça dans quelques années, Inch'Allah. Ça, c'est mon souhait. Mais je n'ai pas 50 000 routes. C'est la route-là que j'ai aujourd'hui. Peut-être, Inch'Allah, les choses vont progresser, les choses vont évoluer. Et qu'en même temps, rappeler aux gens qui ont mémorisé le Coran et tout, que tout est dans le Coran. Ce qui se passe aujourd'hui en Guinée, c'est juste l'histoire de Moussa et de Pharaon. Quand on dit que tout est dans le Coran, les gens vous sortent des gros hadiths et des grosses sourates et que je ne sais même pas. Tandis qu'il faut l'adapter comme un style de vie, un mode de vie et un état d'esprit. Moi, c'est ça mon truc. D'autres personnes ont leur truc. Mais il faut plusieurs étapes pour quitter d'un point A à un point B. Tu ne peux pas aller à Zérékoré sans passer, en tout cas en voiture, sans passer par Koya, Kindia, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est comme ça. Ce n'est pas autrement. Donc, ce passage-là est obligatoire. Mais nous constatons aujourd'hui, pourquoi je vous parle de tout cela, pour que certaines personnes se rappellent. Nous constatons aujourd'hui que le colonel Mamadi Doumbouya, ce que je constate, il n'a pas beaucoup de soutien sur les réseaux sociaux. Ça, c'est mon constat. Peut-être que je me trompe. Hein. Moi, je ne suis pas là pour vérifier tout. Mais c'est un constat. C'est un constat. Et cela n'est pas normal. Ceci n'est pas du tout normal. Je vous ai dit que Facebook, c'est spirituel. Il y a des gens qui vont parler ici, mille là et voilà, mille en 100 ans. Quand ils vont mettre leur bouche dans un parti politique, c'est fini. Remarquez. Si vous avez le sixième sens développé, il faut remarquer les choses. Parce que, vous savez, les bannis Israël, c'est comme ça on les appelle. Quand Allah s'est fâché contre eux, il les a transformés en singes ou en chimpanzés, je ne sais pas quoi. Donc, il y a des gens ici, ils ont une bouche de chimpanzés ou de gorilles ou de singes. Et dès ça, c'est fini. Ils ne peuvent pas faire avancer un truc. Parce que c'est Iblis. Ils sont là pour Iblis. Ce n'est pas caché. Mais tout ce que je vous dis, Inch'Allah, progressivement, vous allez découvrir. Halati. Petit à petit, ça va venir. Vous comprenez? Donc, les gens réclament la libération du colis. Les gens le réclament depuis le jour qu'il a été arrêté.
Mais qui est-ce qui réclame que le colis reste là où il est? Qui? Qui? Nous allons passer toute notre vie à revivre les mêmes scénarios? Non. Le colis doit rester là où il est. Inch'Allah. Donc nous aussi, à partir d'aujourd'hui, nous allons nous battre pour que le colis reste là où il est. Parce que le colis doit témoigner. S'il est victime, coupable de quoi que ce soit, il aura des avocats. Même s'il veut, je ne sais pas, ça c'est un autre débat, il aura des avocats comme tout le monde. Maintenant, je me mets à la place du colonel Mamadi Doumbouya. Les gens ont prié, les gens se sont plaints, l'armée ne vaut rien, l'armée là c'est des femmes. Moi je n'ai même pas aimé le terme, là, que l'armée là c'est des femmes. Parce que, excusez-moi, quand je regarde la Guinée, quand je regarde les hommes et quand je me regarde, c'est Dieu qui sait, vous savez, il connaît la connaissance, il donne la connaissance et le savoir à qui il veut. Celui qui va dans son chemin, c'est celui-là qui est le supérieur, il n'y a pas homme ou femme là-bas. Quiconque se rapproche de lui, tu es vertueux, il te mettra au-dessus des autres, même si ce sont tes parents, c'est comme ça. Vous avez compris? Donc, tout ce qu'on a mis en place, ça s'est réalisé, c'est une coïncidence. Donc, il y a des gens qui ont fait appel à ce colonel, il est venu. Donc, les mêmes personnes doivent le suivre, le soutenir dans sa démarche et le guider. Le guider comment? Nous n'allons pas nous asseoir ici, comme certaines personnes le faisaient au début. Il faut arrêter tel, il faut arrêter ci, il faut arrêter ça. Mais c'est ce que les maudits vauriens, éternels perdants faisaient. C'est eux qui ont fait échouer le colis parce que eux, c'était leur argent là qui les intéressait. C'est tout, ce n'est pas autre chose. Il faut arrêter celle. Ah, telle part d'ici, quand il va arriver, il faut l'arrêter. Mais les arrestations cumulées et infondées et arbitraires, tous ces facteurs, parce que c'est plusieurs facteurs qui nous ont amenés là où nous sommes, plusieurs facteurs, vous et moi, l'ANA, l'UFDG, le FNDC, les inconnus, ceux qui prient à gauche, à droite, ceux qui jeûnent, ceux qui s'asseyent et qui pleurent, qui disent, eh Allah, je ne dois pas vivre ça, je n'ai pas voté pour ce monsieur. Toutes ces personnes-là se sont battues. Tout le monde ne peut pas venir ici parler. Tout le monde s'est battu à sa manière. Moi, ça, c'est ma manière. Ça marche pas. Ça ne marche pas bas. Inch'Allah, l'avenir nous le dira. Mais encore une fois, vous allez comprendre. Donc, vous avez un groupe qui traque le colonel. Il faut libérer le colis. Il n'est pas à sa place. Il faut le libérer. Mais en face, il n'y a personne qui dit au colonel, non, ne le libère pas, garde-le. Parce que nous pensons que le colonel peut tout faire. Nous pensons qu'il connaît tout. Nous pensons qu'il a déjà la force. Nous pensons déjà qu'il est fort. Il a besoin de nous. Qu'il le dise, oui ou non. Moi, l'UFDG ne m'avait pas appelé pour faire ce que je faisais. Non. Mais j'ai compris qu'il fallait le faire. Et je l'ai fait. Et aujourd'hui, j'ai compris qu'il faut faire cela. Parce que vous savez, je vous ai toujours dit, la connerie a l'impression qu'elle est grande. La connerie est très arrogante. Il faut dégonfler la connerie. Pour montrer à la connerie que tu ne vaux rien. Comme on les a montré, si les gens là ne valent rien, c'est Semera, ou le Falenera, Mounafaginera, Yaïlinera, Alayakouinera, Iblis est attaché. Ce monsieur, le colis, est le représentant d'Iblis, l'un des plus... c'est lui-même Iblis. Donc, toutes les personnes qui ont des tendances, regardez toutes les personnes qui le défendent, comment ils sont. Regardez les personnes dans vos familles qui soutiennent ce monsieur, comment ils sont, leur vie, leur style de vie, leur état d'esprit. Ce n'est pas un débat. Vos connaissances, n'allez pas loin. Et sans oublier qu'il y a eu 2000 personnes auxquelles on nous a donné notre argent pour défendre ce bon à rien. Des dépressifs sous l'art drogués, des fumeurs de cannabis et de cocaïne à l'étranger qui ont des papiers libériens et ivoiriens qui semaient la zizanie parce qu'on les payait. Nous ne devons pas nous laisser faire. C'est ici que ça va se passer encore, Inch'Allah. Personne ne sortira dans les rues. Nous allons soutenir le colonel ici. Celui qui ne soutient pas le colonel, Akakei Soumane, parce que c'est nous qui l'avons appelé. Notre appel est tombé sur lui. Nous allons nous battre, dire au colonel que le colis doit rester en Guinée. Nous allons prier qu'il ait une bonne santé,
une meilleure santé que le colis est longue vie. Quand tu es en conflit avec quelqu'un, ton adversaire, il faut prier pour lui pour qu'il ait longue vie. Comme ça, quand tu vas le terrasser, pour qu'il soit vivant. Si tu le terrasses à son insu, je vous ai toujours dit ici, ceux qui veulent que le colis meure au pouvoir, ce n'est pas des gens qui sont en train de se battre. Non. Je dis, il faut que le colis parte pendant qu'il est là-bas, vivant. C'est une très bonne chose, c'est incroyable. C'est fantastique. Seul Allah peut faire ça. C'est une forme de justice. Mais comme les maudits vauriens, bon à rien, payés à ne rien faire, qui ont bouffé notre argent du contribuable à ne rien dire, à nous mélanger, à nous diffamer, pensent qu'eux, ils peuvent faire quelque chose, nous allons les montrer encore une fois qu'ils ne sont rien. Inch'Allah, ici. Donc, le colis doit répondre à ses actes. C'est un accusé. Il n'est pas coupable pour l'instant. Il n'est pas coupable. C'est pourquoi il doit être jugé, pour que les responsabilités de chacun, chaque personne, même les partis politiques, tout le monde, les responsabilités de tout le monde sera situées du 28 septembre jusque pendant les 11 ans là. Il y a des gens qui disent que oui, le 28 septembre, le colis n'était pas au pouvoir. Le colis n'a rien à voir. Non. Moi, je ne dis pas que le colis a quelque chose à voir dans le 28 septembre. Mais comment on va savoir s'il a quelque chose à voir ou pas? Il faut qu'il s'explique. Il faut qu'il vienne s'expliquer. Maintenant, là où le colis est suspect, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Là où le colis est suspect dans l'affaire du 28 septembre, vous savez c'est où? Pour moi, Toumba était au Sénégal. On sait ce qui s'est passé. On a ramené Toumba en Guinée à cause de sa malhonnêteté. Il a gardé le monsieur là pendant tout son règne. Pourtant, s'il est au pouvoir, c'est un peu grâce à Toumba. Parce que si Toumba n'avait pas dosé d'Addis, il n'allait pas aller dans ce sens-là. Pourquoi garder Toumba toutes ces années et fermer la porte à Dadis et à Konaté? Pourquoi? Si tu n'as rien à te reprocher. Donc, le colis est innocent. C'est un accusé innocent pour l'instant. Il n'est pas coupable. Hein. Mais pour situer sa responsabilité, il faut le juger. Et il faut qu'il soit en bonne santé. Nous devons veiller à cela. Et je pense que c'est l'une des préoccupations du colonel aujourd'hui, même si je ne suis pas dans sa tête, c'est une logique. Inch'Allah, que le colis soit en bonne santé, qu'il reponde de ses actes. C'est-à-dire, tout ce qui s'est passé, je n'ai pas donné d'ordre. C'est un tel, c'est un tel, c'est un tel, c'est un tel. C'est un dossier très lourd. Parce qu'il était avec les Kassori, les Damaro, les Malik Sankon, l'autre monsieur qui a la longue jambe, grosse tête là, qui est à la sécurité. Damantan, tout ce bazar là, ils doivent vous répondre. Vous pensez que ces gens-là veulent que le colis soit jugé? Non. Ils ne veulent pas que le colis soit jugé. Parce que peut-être, que son tonteur est coupable. Mais vu que ça s'est fait sous son règne, il a sa part de responsabilité là. Donc, il a le droit de se défendre. Il a le droit d'avoir des avocats. Nous allons veiller à cela pour que les conditions soient remplies. Pour qu'il ait des avocats dignes de ce nom. Parce que c'est un ancien président, même si c'était un vaurien, mais c'était quand même un ancien président parce que c'est ce que les Guinéens ont mérité. Aujourd'hui aussi, il mérite Mamadi Doumbouya. Demain, si vous méritez quelqu'un qui est, je ne sais pas, un gorille, vous auriez un gorille à la tête et vous allez le supporter parce que c'est comme ça. Le jour que nous allons changer, nous aurons quelqu'un à notre image. Ce n'est pas compliqué. Quand moi je vous dis de vous référer au courant, c'est par rapport à ces petites choses. Chaque peuple mérite le chef qu'il a. Ce n'est pas compliqué. Mais ça, on ne veut pas accepter ça parce qu'on ne veut pas changer. Depuis que le colis est parti, qu'est-ce que vous avez fait pour Allah? Vous l'avez remercié comment? Vous qui êtes là, vous l'avez remercié comment? Les filles qui me regardent, vous avez remercié Allah comment? Vous avez arrêté les produits crescents? Les faux cheveux, vous avez laissé vos sourcils pousser. C'est des petites choses de rien du tout. L'acceptation de soi. Des trucs banals, des petites banalités. Oui, moi j'ai pour moi comme le chimpanzé, peut-être comme le singe. Mais bon, c'est comme ça que je suis créée. J'avais un tatouage en bas. Mais aujourd'hui, mes sourcils surplombent le tatouage. Pour montrer que Allah va s'imposer
sur le faux truc que j'avais mis là. Les trucs là, tu mets un truc ici. Un, tu rases. De deux, tu tatoues. T'as dit ce qu'elle t'a donné, tu n'en veux pas. Et tu mets un autre signe du diable pour qu'il te donne une autre vision des choses. C'est pourquoi nous voyons des choses que nous ne devons pas voir. Nous analysons mal. C'est pas compliqué, c'est ça. Donc, pour que les responsabilités soient situées, il faut soutenir le colonel. Parce que là, il y a un côté. Vous savez, c'est quoi le rôle d'Iblis et les Iblistiques? Le rôle de Iblis et des Iblistiques, c'est de semer le doute dans la tête du croyant, du fidèle. C'est ce qui se passe. Ils veulent créer le doute dans la tête du colonel. Ah, est-ce que j'ai bien fait de le garder? D'ailleurs, ce coup d'État, est-ce que la population en avait besoin? Ah, qu'est-ce que je dois faire? Mais de l'autre côté, personne ne lui dit quoi faire. Le colonel, ce n'est pas de la prétention. Je n'ai aucun pouvoir. Je ne peux rien vous apporter. Je suis derrière mon petit écran. Mais je peux prier, je peux jeûner. Je l'ai fait pendant un an. Peut-être que j'ai mon petit 2% qui vous a piqué le cerveau. Mes petits 2%, je vais encore les réutiliser, Inch'Allah, pour que le nécessaire soit fait. Comme ça, ceux qui vont venir après vont savoir que tôt ou tard, s'ils font des bêtises, ils seront jugés. Nous avons ce problème en Guinée. Tous les régimes ont tué. Tous. Tous. Nous avons cette malchance-là. Que les présidents meurent au pouvoir. Si on veut juger, on va juger qui? Les gens vont mentir sur lui. Ils vont dire ce qu'ils veulent. Mais lui, il est là, il peut se défendre. Même s'il ne peut pas se défendre, il aura des avocats. Il y a des papiers aussi, il y a des écrits. Oui, il y a des écrits. Donc, si on laisse ces vauriens-là perdants, éternels perdants, une équipe qui a déjà perdu, une équipe qui a été payée 2000 personnes, et puis ça finit comme ça. On va les laisser faire. Vous allez les laisser faire. Non. Moi, je ne vais pas les laisser faire parce que c'est des vauriens. Parce qu'ils ont perdu. Le mensonge ne peut pas gagner sur la vérité. Si la vérité pourchasse le mensonge, je vous l'ai toujours dit, mais souvent le dîner s'assoit, il attend que la vérité sorte. Non. Nous allons nous battre, faire des publications, faire des vidéos pour que l'ancien président, Monsieur Alpha Coli Condé, soit bien tenu, bien traité, qu'il puisse recevoir certains membres de sa famille, il a ses nièces en Guinée, qu'il puisse être soigné par des bons médecins, les médecins qu'il a formés en Guinée, qui sont dans les bons hôpitaux qu'il a construits pendant les 11 ans. C'est magnifique qu'il profite du bon travail qu'il a fait pour ce pays. C'est ce que nous devons faire. Nous devons nous battre dans ce sens. Parce que ça n'a pas de sens. Excusez-moi. Allô? Ah ah. Ah ouais, le lieutenant Issa So qui voulait intervenir, je lui dis de me laisser finir parce que il dit que les gens sont en train de mentir, mais le colonel n'aura rien. Il faut laisser les... Oui, ils sont en train de mentir. Leur mensonge les a menés là où ils sont. Comme je vous le dis, maintenant c'est ça le nouveau combat. Certains veulent qu'ils soient libérés. Ils veulent faire croire que c'est la population qui veut qu'ils soient libérés. Non, oh, oh. Nous aussi... Nous allons montrer que la population veut qu'il soit là où il est. Et bien tenu, en bonne santé et longue vie. Moi, je veux qu'il vive 150 ans. Nous allons prier pour ça. Alpha Coli Condé, tu es longue vie, tu es une bonne santé. Nous voulons te voir devant un tribunal pour te défendre, tes avocats et toi, pour que les responsabilités des vauriens qui te suivaient soient que chacun ait. Et en même temps, les réseaux sociaux, tôt ou tard, Inch'Allah, nous allons mettre un truc en place
Tous les Ivoiriens qui ont bouffé l'argent ici pour mentir à leurs frères et sœurs, l'argent du contribuable, eux aussi doivent répondre. Ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Ici, il y a beaucoup de choses qui se passent. On ne va pas vous payer avec l'argent du contribuable et vous vous faites échouer le pays. Parce que ça, c'est faire échouer le pays. Et ils veulent continuer sur ça. Parce que certains veulent que mettre la pression que les partis politiques ou Mamadi Doumbouya, surtout aujourd'hui, que le CNRD les contacte. Le CNRD ne peut pas vous contacter. Vous êtes des... Mais dis donc, on ne change pas d'équipe qui gagne. Tu défendais quelqu'un. On l'a humilié universellement. On va te contacter pourquoi? Pour que le colonel aussi soit humilié. Hein? Bon, voilà. Donc, le lieutenant Issa a appelé. Il va essayer d'intervenir. Donc, on le rappellera plus tard, Inch'Allah. Donc, il faudrait qu'on sache cela, qu'il doit y avoir deux camps. Il n'y en a pas 50 000. Le colonel, le CNRD n'est pas un parti politique. Pour l'instant, il n'y a pas de parti politique en Guinée. Il n'y en a pas pour l'instant. Tout est stand-by. Donc, tous les militants de chaque parti politique, tous les membres de chaque ethnie, doivent se rallier au CNRD pendant cette transition. Quelqu'un que tu n'as pas soutenu, tu ne peux pas le combattre. Jamais. Inch'Allah, tu ne peux pas combattre quelqu'un que tu n'as pas soutenu. Une personne que tu as soutenue, tu peux combattre cette personne. Parce que ce que tu as apporté à sa vie, tu retires. C'est tout. Le reste, c'est Allah qui va juger entre vous et cette personne. C'est Allah qui a jugé entre nous autres et les Vauriens là. 2000 personnes payées pour ne rien faire. Moi, Marie Sissoko, j'ai tout ça que j'ai dit, c'était gratuit. Je n'ai pas de vue, je ne suis pas connue, je n'ai pas de monde. Mais Allah a coïncidé que ce que je voulais, c'est réalisé. Vous voyez, c'était gratuit. Partout où il y a l'argent, c'est Iblis. Tous ceux qui sont fâchés là, les responsabilités de Damantan, de Damarou, de Kassori, de Mamadi Gané, de tout ce que vous connaissez, leur responsabilité doit être située. Donc leurs gens ne seront pas contents. Leur personne, même si c'est vous, vous ne seriez pas content. Donc ils sont en train de se battre pour que la communauté internationale pense. La communauté internationale qui... Donc, ils s'en fichaient. C'est-à-dire, excusez-moi du terme, je vous en prie, les bonnes personnes. Tu manges ce que tu as chié, quoi. Tu fais caca. Tu fais un gros caca. Tu mets ta bouche dessus, tu manges. La communauté internationale peut faire quelque chose aujourd'hui en Guinée. Depuis quand? Quand vous prenez des drogués, des dépressifs, qui vous donnent des faux conseils, des mauvais conseils, voilà les conséquences. Et là, Seloudal Nyalo, il est au Sénégal. Normalement, c'est demain. Du 6 décembre au 7 décembre pour le Forum international sur la sécurité et la paix en Afrique. Au Sénégal. Et là, Seloudal Nyalo, c'est le Sénégal qui devait attaquer la Guinée. Il faut faire attention parce que nous avons appris ça ici. Que le Sénégal doit attaquer la Guinée. Mais bon. Le colonel ressemble à un Sénégalais, ou bien il ne ressemble pas à un Sénégalais, il ressemble à un Sénégalais. Est-ce que c'est même pas un Sénégalais? Mais bon, il est venu de Fourkaria. Il est de Cancan, mais la direction, c'était Fourkaria, c'est Routouria. Mais il y a des gens qui ont vu que c'était le Sénégal. Et à cause de leur haine, Fenko Palacier, Féoroé, Sentanetoué, Iblis Tite, Iblis Nefate, Iblis t'envoie un rêve la nuit, tu te lèves, tu viens raconter des bobards. Allah met ça en public devant tout le monde. Le CFID, CFID, CFD ou quoi là, vient attaquer la Guinée. Awa, Macky Sall n'aime pas la Guinée. C'est si, c'est ça. Ils vont attaquer la Guinée. Allah dit, je vais vous répondre publiquement devant tout le monde. Voilà le colonel qui débarque. Nous allons le soutenir bien proprement, comme il faut, comme il se doit. Oui, tous ceux qui ne soutiennent pas ce colonel-là, c'est des sataniques, c'est moi qui vous le dis. C'est lui qui a mis la main sur Iblis. C'est lui qui a mis la main sur Shaitan en Guinée. Les sataniques ne sont pas contents. Ils implorent Shaitan tous les jours avec leur danse et leur musique, avec leur sorcellerie. Nous allons les démonter en pièces. Nous allons les brûler, Inch'Allah, devant leur caméra ici. Ce n'est rien d'autre, c'est une affaire d'argent.
Ce n'est rien d'autre. Vous vous imaginez? Quand certains se tuent la tête pour parler gratuitement, certaines personnes se font payer. Des gens inutiles, des dépressifs, drogués. Et Birim Bérémini. Tous ces jours-là, regardez les femmes de leur bouche. Bérémini, des moments ça. Quand on m'amène des vidéos, je dis, il y a arrêté de m'amener des gens comme ça. Pourquoi vous regardez ce genre de personnes? Hein? Pourquoi vous regardez ce genre de personnes? Des gens qui ont fait tomber leur... Le camp que tu défends tombe. Tu ne vois même pas d'où vient. Et ils sont surpris. Vous êtes surpris parce que vous ne valez rien. Le dossier que tu défends, tu ne le maîtrises pas. Mais ils ont tiré un bain. Ou bien, il y a un tour. Parce qu'il y a un tour. Il y a un tour. Un franc. Le colonel m'a dit, ne va pas donner à quelqu'un. Colonel, si tu me regardes, ou si quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un qui me regarde, les réseaux sociaux, ça joue énormément. Mais l'équipe qui a gagné ne peut pas faire gagner quelqu'un. Quelqu'un que toi qui as fait tomber. L'équipe qui a fait tomber cette personne va faire gagner qui? Si ce n'est pas pour venir salir les gens. C'est pour venir salir les gens après. Hey, je vous ai dit que c'est des vauriens. Des bons à rien, ces gens-là. C'est sorti, oui ou non? C'est sorti ou bien c'est pas sorti? Je vous ai dit qu'ils étaient payés. C'est sorti ou bien c'est pas sorti? Toi, tu défends ton pays, on te fait pourquoi? C'est pas ton pays. C'est parce que c'est pas leur pays. Oui? Ça, c'est pas un métier. On vit pas de ça. Moi, je peux pas vivre de ça. Non, Inch'Allah. Ma pauvreté n'est pas allée jusqu'à ce niveau-là. Pour qu'on me paye pour parler pour la Guinée. Je ne vais pas le faire. Le son qui sort de ma bouche là, c'est Allah qui m'a donné ça. C'est pas Iblis. Je ne suis pas là pour Iblis. Donc, il est tombé le 5 septembre, un dimanche. Aujourd'hui, nous sommes le 5 décembre, un dimanche. Il y a quelqu'un qui m'avait dit que oui, il y a un maudit vaurien qui dit quelque part que le colonel ne va pas faire 3 mois au pouvoir. J'ai dit, ah bon, que mon j'ai dit, ah ouais. Comme c'est vous qui regardez. Il faut vérifier là-bas ce qui va se passer. Tu n'as pas maintenu quelqu'un qui est au pouvoir. Tu n'as pas fait gagner déjà même. Parce que moi, je vous ai dit, si le gars n'a pas gagné, s'il avait gagné, Allah ne n'allait pas lui faire ça. Fermement. Il allait mourir dans son sommeil tranquillement. Mais ceux qui insistent, insistez. Insistez. C'est un temps d'ailleurs à insister, Manel. C'est-à-dire, Iblis te rend arrogant. Tandis que tu n'as aucun pouvoir, tu n'as rien, tu ne connais rien. Mais il va montrer au public que tu n'es rien, que tu ne vaux rien et que tu travailles pour lui, il t'utilise pour tromper tes propres frères et sœurs. Iblis va mourir en Guinée, va brûler en Guinée. Iblis ne va pas se réveiller en Guinée, Inch'Allah. Nous allons prier tous les iblistiques pour que vous changez. Si vous ne changez pas, que vous partez avec lui, que vous devenez fou et folle devant vos caméras ici, que vous mourrez devant vos caméras ici. Nous, on veut que la Guinée aille dans le sens de l'islam. C'est ce que moi, Marie, c'est ce que je veux. Je ne suis pas là pour un parti politique. Celui qui aime Alpha Condé, il s'est battu en France. Moi, j'étais devant ma caméra en France. Oui, j'ai fini ma mission. Je suis venu aux États-Unis. Donc, il faut comprendre la suite. Si vous comprenez les choses, on n'a pas besoin de tout dire. Donc, celui qui est homme ou femme, Mamadi Doumbouya a terrassé Alpha Condé en Guinée. Il n'est pas venu du Sénégal, il n'est pas venu du Mali. Comme Allah voulait vous répondre, il l'a mis en Guinée, il a passé 2-3 ans là pour faire ce qu'il avait à faire. Celui qui est sûr de lui, tu aimes Alpha Condé, comme tu dis, tu as bouffé notre argent qui va sortir après avec le feu là où ça doit sortir. Si c'est en bas, si c'est en haut, ça c'est Allah qui sait, moi je ne sais pas. Mais ça va sortir, Inch'Allah. Nous allons vous danka ici. Vous les maudits là. Vous êtes des maudits. On vous paye pour venir mentir à vos propres frères et sœurs. Pour faire des réunions. Diffamer les gens. Mélanger les ethnies. Salir le pauvre monsieur là. Et son parti politique. Oui, c'est vous qui avez détruit Alpha Condé. Entourage, entourage, entourage. C'est vous les réseaux sociaux, c'est vous qui avez détruit Alpha Condé. Vous qui parlez ici, que vous le défendez, que vous l'aimez. Vous ne l'aimez pas. Vous ne l'aimez pas. C'était pour de l'argent. Vous avez eu votre argent. Vous allez nous rembourser, Inch'Allah. Nous allons veiller à cela. Parce qu'il y a des gens même qui sont en train de construire en Guinée là-bas, il paraît. Ce n'est pas un peu d'argent qu'ils ont pris. Ce n'est pas un peu d'argent. Ce n'est pas une petite, c'est beaucoup d'argent que les gens là ont eu.
Beaucoup d'argent que c'est maudit là. Des gens inutiles comme ça. Parlez au nom de quel parti? Vous pouvez défendre un parti. Vous pouvez défendre un parti. Pourquoi Alpha Condé est tombé comme ça? Vous étiez où? Vous venez verser vos vénins sur CIFD. Vous versez vos vénins sur l'UFDG. Maman dit le mot est à Fulkaya. Vous ne l'avez pas vu? Vous maîtrisez quelle situation? Vous avez apporté quoi à Alpha Condé? Qu'est-ce que vous avez apporté à ce pauvre monsieur-là? Quoi? Si ce n'est pas pour l'utiliser, ceux qui étaient à côté de lui l'ont utilisé, c'est triste, c'est dommage. Les réseaux sociaux aussi l'ont utilisé. Parce qu'on lui a toujours dit, je vous ai dit ça ici. Je vous ai dit que c'est là qu'il va tomber, Inch'Allah. Ils sont partis se jeter sur Madik Poutine, parce que c'est les vues, c'est les plus influents. Madik qui a un truc sur la, les garçons qui font les trucs, les coupures là. Vous savez dire quoi ici? Le truc de je ne sais pas comment il s'appelle. J'ai même oublié son nom. Les garçons, il faut arrêter les coiffures là, hein, les zigzags sur la tête là. Et les chayatines. Alors, on a le sentan et la bérasse. Ibema. Vous ne voyez pas comment lui, il était lui aussi. Donc, lui, spirituellement, le 5 septembre, on l'a dit, on a fait ce qu'il fallait faire. Humiliation universelle. Le colonel, merci. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala te guide, parce que c'est le meilleur des guides. Qu'il te protège pour ça. Qu'il te guide pour ne pas que tu prennes de mauvaises décisions. Qu'il t'apporte toutes les personnes qui peuvent t'aider dans ce processus-là. Qu'il te bénisse. Tu as mis la main sur Iblis. Toutes ces oligarchies-là sont derrière lui en ce moment-là. Donc, nous allons le soutenir ici. Faire des vidéos ici. Vous allez partager les vidéos. Montrer aux maudits vauriens qui ne sont rien, qui sont des vauriens. Oui. Donc, et là, je sais, Luda Ndiallo part au Sénégal. Le 6, le 5 septembre, on arrête Iblis. Le 6 décembre, 3 mois, c'est-à-dire c'est 3 mois aujourd'hui, lui, il commence son forum demain. C'est pas beau, ça? C'est très beau. Oui. Et c'est pour la paix. C'est son parti politique qui devait attaquer la Guinée. Mais lui, on le est. Son parti politique devait attaquer la Guinée à partir du Sénégal. Mais on l'invite au Sénégal aujourd'hui pour la paix. Et c'est un forum international, hein? C'est un forum international. Donc, le monsieur, par rapport à ses patients d'une année-là, ils l'ont regardé, étudié, inspecté. C'est en train de grossir son agenda et l'agenda de son parti politique. Mais là, c'est le règne. Toi, tu as payé combien de personnes sur Facebook? Toi aussi, tu vas nous dire, hein, si tu as payé des vauriens pour que leurs responsabilités soient situées. Les Nyamara Tantanye là. Et le Nyamara Tantan Séféra. Mais en parlant, il faut vous asseoir dire que moi, on me paye, hein, moi, mon argent là. Non, 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 moi, je ne vais pas laisser ça. Ils vont me payer. Colonel ne vous donnera rien. Vous n'avez rien prouvé. Vous n'avez rien foutu. Rien. Vous n'avez rien gagné ici. Cessez. On s'est fait gagner. Mambari, comment vas-tu, ma chérie? On s'est gagner. Rien du tout. Vous êtes des perdants. Vous serez des éternels perdants. Inch'Allah. Je veillerai à cela. Je vous ai dit que je vais vous pourchasser, Inch'Allah, jusque dans vos tombes. Khalati. Vous pensez que c'est la blague? Moi, je suis très patiente. Vous avez prouvé encore une fois. Vous êtes des ennemis de la Guinée. C'est vous les apatrides. Les sataniques, les iblistiques, les drogués, les dépressifs là. Regardez leur style seulement. Hommes et femmes, regardez leur style. La Bible ne fait pas de moi. Moi, on reconnaît les oiseaux par leur plumage. Mais dès qu'il y a affaire d'argent quelque part, il n'y a plus Dieu là-bas. Donc, on ne va pas sortir dans la rue comme d'habitude. Moi, je vous ai dit, laissez la rue. Ceux qui veulent sortir là, ils n'ont qu'à sortir. Nous, on va voir ça, la forme et la couleur que quand ils manifestent là, ce que ça donne. Nous allons manifester ici.
Nous allons publier les photos, les dégâts que ce vaurien-là a fait. Astaghfirullah, peut-être que c'est lui. Peut-être que ce n'est pas lui. C'est Allah qui sait. Donc, il doit être jugé. C'est d'ailleurs Marabout qui avait dit que Mamadou n'allait pas faire 3 mois au pouvoir. Mais vos Marabout, vous avez dit que le colis allait mourir au pouvoir. Nous allons partager cette vidéo aujourd'hui. La justice fera son rôle. Nous allons partager ça. Inch'Allah, si ma page me le permet, parce que quelquefois je veux publier des trucs et ça ne va pas. Et vous allez partager cette photo. La justice fera son rôle. S'il est innocent, s'il a été victime aussi, c'est possible. Parce que par exemple, il a été victime des réseaux sociaux. On l'a arnaqué. Il a été arnaqué sur les réseaux sociaux. Voilà. Malheureusement. C'est ce qui est triste, c'est ce qui est dommage. Vous faites croire à quelqu'un que vous l'aimez, mais vous ne l'aimez pas. Parce que tout simplement, il vous paye. Vous prenez beaucoup d'argent. C'est tout. Ça, ce n'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour. C'est triste. Quand je pense à ça, c'est triste. C'est comme moi, tout ce que je faisais, on dit que l'UFDG me paye. Mais ils ne peuvent pas me faire... Normalement, ils ne peuvent pas me faire confiance. Non. Non. J'ai fait ça parce que c'est ce qui devait se faire. Comme ce qui doit se faire aujourd'hui. C'est comme ça. Quand Allah te guide, c'est comme ça qu'il fait. On est assis ici. La connerie est en train de faire des refaire la même connerie. Hé, la connerie, calmez-vous. Nous allons mettre le feu sur vous. Vous brûlez vos cerveaux pourris là. Les menteurs là. Et ils sont toujours là à accuser les gens de menteurs. Parce que quand le coup d'état a commencé, la situation est sous contrôle. Oui, bien sûr qu'elle était sous contrôle. Sous contrôle du colonel Mamadi Doumbouya, bien entendu. Et il n'est pas venu du général. Hein? Non. Il n'est pas venu du CIFD non plus. Hein? Il est à Forécaria, 100 km. Mais bon, comme vous êtes des mal guidés, vous n'avez pas vu la honte venir. Donc, c'est tant pis pour vous. Donc, là, c'est le Dalenyano, là où il est. C'est une très bonne chose. Il doit essayer de faire la part des choses. Aujourd'hui, ils sont en train de parler de terrorisme pour s'aimer la pagaille et la zizanie. Parce que tous ceux qui ont fait le Libéria et la Sierra Leone et la Côte d'Ivoire, ce sont des gens qui ont vécu la guerre, nous le savons. Et apparemment, ça suit certaines personnes partout où ils vont. C'est des poisseux. Voilà. Ils ont détruit le monsieur là ici, devant tout le monde. Malheureusement. Donc, je vous dis merci à tous. Nous allons essayer d'appeler le lieutenant. S'il est encore là, s'il veut rajouter quelque chose, parce que c'est ce qu'il me dit, que les gens mentent. Ben, ils mentent. Ça apporte quoi? Voilà les conséquences. Voilà les conséquences du mensonge. C'est des vauriens, ces gens-là. Je vous l'ai dit ici. Dis donc. Dieu aime la vérité. Mais il faut être patient et endurant. Donc, à partir d'aujourd'hui, nous allons faire des vidéos pour que M. Alpha Coly Condé soit bien tenu, bien soigné, bien nourri, vu par ses proches, sa famille proche. Il a ses nièces, je crois bien qu'il a ses nièces en Guinée, ça je le sais, et que la justice fasse son rôle. Il faut que Iblis soit détruit dans ce pays-là définitivement.